Salut tout le monde, je suis de retour pour les machines VIP du tier 1 du starting point de Hack the Box et on commence tout de suite avec la première machine payante du tier 1 qui s'appelle Ignition. La machine à spawn, elle est en 10.129.239.100. Première chose qu'on fait, c'est qu'on ping 10.129.239.100. Elle est bien présente. Ensuite, deuxième chose, comme toujours, nmap-sc pour les scripts habituels, -sv pour les versions, -t4 pour aller plus vite. Et ce sera tout. Et là, le résultat est assez intéressant. On a trouvé un port 80 par HTTP, mais on voit que on est redirigé vers http://ignition.htb. En fait, ce qui se passe, c'est que le serveur n'accepte pas qu'on se connecte à lui avec son adresse IP, il veut qu'on utilise son nom de domaine. Évidemment, ce nom de domaine, si on le tape, on ne le trouvera pas. Et si on tape l'adresse IP, il nous dira qu'il ne peut pas, qu'il nous redirige vers ignition.htb et qu'il ne le trouve pas. Voilà, on est redirigé vers ignition.htb et on ne l'a pas trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier etc slash host parce qu'on n'utilisera pas de DNS. Et dans le fichier host, à toute fin, alors il faut l'ouvrir en root, sudo. À la toute fin de ce fichier, on va pouvoir rajouter l'adresse IP 10.129.239.100, suivi de du nom de domaine en question, donc ignition.htb. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de ping ignition.htb. Et quand on le ping, on voit qu'il ping 10.129.239.100. Donc, maintenant, si sur Firefox on recherche ignition.htb, on obtient bien la bonne page. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est lancer un gobuster, moins u ignition.htb, moins w, et on va utiliser comme toujours usrshare wordlist, dirbuster, et ensuite directorylist. On va prendre la small pour aller un peu plus vite. Moins u http 2. Slash slash. Ah oui, j'ai oublié de lui préciser que je recherchais des dossiers, j'ai oublié de lui mettre le mot-clé dir. Donc avec dir, ça fonctionne beaucoup mieux, et moins u pour revoir qu'est-ce qu'il va nous trouver. Évidemment, l'autre possibilité, c'est que pendant ce temps-là, on peut découvrir un peu le site, voir comment il fonctionne. Mais en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose dessus. Ah, on a un fichier qui s'appelle admin et on peut y accéder sans aucun problème. Donc on va aller voir ça, slash admin. Et là, on a une connexion. On peut tester des choses par défaut comme admin. Ou peut-être route. Ce qu'on peut faire, c'est que si on voit que c'est Magento, on peut rechercher Magento Default Credentials. En fait, rechercher quels sont les identifiants par défaut pour se connecter à ce service. Alors, c'est admin et 123123. Par défaut, c'est admin suivi de 123123. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rechercher les mots de passe les plus utilisés. Alors voyons voir les mots de passe les plus utilisés. 1, 2, 3, 4, 5. On peut tester en fait ces mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai testé les 10 passwords les plus souvent utilisés. Donc j'ai tapé, comme vous pouvez voir, j'ai tapé Most Used Password 2021. Et juste sur ce site, sur Cybernews, j'ai testé les passwords 1 à 1 avec l'identifiant admin. Et le bon c'était QWERTY 1, 2, 3. Une fois qu'on s'est connecté avec admin et QWERTY123, on voit que le flag est présent juste là. Donc on va pouvoir aller répondre aux questions. Et enfin le flag, on copie-colle et on rajoute HTTP devant, avec les accolades. Et voilà. On a terminé la machine Ignition. On va pouvoir passer à la machine suivante,
Pennyworth. Alors, dès que la machine a spawn, on va la ping pour voir qu'elle est bien up. 10, 129, 134, 221. Donc, ping 10, 129, 134, 221. C'est bien bon. Donc, 1 nmap, moins sc, moins sv, moins d4. 10, 129, 134, 221. J'ai oublié de mettre le moins p, moins, pour scanner la totalité des ports. La seule chose qu'on trouve, c'est le port 8080. Donc, on va aller visiter ça. 10, 129, 134, 221. 10, 129, 134, 221. Le point 8080. On visite le port 8080. Et c'est Jenkins. Donc, Jenkins, c'est un logiciel d'intégration continue. On va rechercher les passwords, les utilisateurs et mots de passe par défaut. Apparemment, ça a l'air d'être admin, son identifiant par défaut. Alors, je n'ai pas réussi à me connecter, je n'ai pas non plus trouvé les identifiants par défaut, parce qu'apparemment, le mot de passe est généré aléatoirement par Jenkins à la station. J'ai fini par aller voir dans le walkthrough ce qu'il nous disait. Et si on regarde le walkthrough, on peut voir qu'il arrive sur le login. Ici, il nous parle de Jenkins. Et il nous dit que les credentials, donc les identifiants par défaut de Jenkins sur une nouvelle installation, sont les suivants. Alors, la personne qui a écrit ce walkthrough a réussi à trouver des identifiants par défaut, moi j'en ai trouvé aucun. Donc on peut voir qu'il y a admin password, admin admin, et ensuite admin admin 1 et admin password 1. Donc je vais tester admin admin, j'ai déjà testé, donc admin admin 1. Non, admin password j'ai déjà testé, donc admin password 1. Donc on va tester les routes. Route, 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 password. Et ça a l'air de fonctionner. Donc déjà il fallait pas utiliser l'utilisateur admin mais l'utilisateur route. Et le mot de passe c'était password. Ok. Donc ici on a la version de Jenkins. On peut faire des recherches sur la version de Jenkins pour l'exploiter. Ah, là on a quelque chose, GroovyScript, et ici on voit qu'il y a GroovyScript. Donc je pense que c'est par là qu'on va devoir passer pour exploiter cette machine. Tiens, c'est intéressant. Si on va dans Build Executor Statue, on a ici notre machine qui exécute, en fait notre serveur, et ici on a Script Console. Et on peut générer des GroovyScript ici. Alors ce que je vais faire, c'est que sur mon terminal, je vais ouvrir. Avec netcat, je vais écouter, donc moins L pour listen, V pour être verbose, N parce qu'on ne lui donne pas de DNS, on lui donne des nombres directement, et P pour préciser le port, et on va ouvrir le port 4444. Donc netcat, c'est un outil qui sert soit à se connecter sur un port, soit à ouvrir un port sur notre machine. Ça sert à faire des sockets réseau. Et ensuite, on va utiliser le reverse shell, qui est juste ici. Donc on sélectionne tout ça. On le place ici. On copie. On colle. Au niveau de l'hôte, on va mettre notre IP. Donc on est en 10.10. Hop, sur un nouveau terminal, je vais aller vérifier. IPA 10.10.15.97. Donc 10, 10, 15, 97. Et le port qu'on a ouvert, c'est le 4444. Ok, essayons de passer ça à la ligne, peut-être. Peut-être passer à la ligne, histoire que ce soit plus visible. Voilà, et ici, on a notre bouton run qui est apparu. Comme la ligne était trop longue, le bouton run était disparu. Donc je vais cliquer sur run. Et sur mon terminal, je vois que j'ai une connexion depuis le 10.129.134.221. Donc là, je dois pouvoir faire id. On voit que je suis route. Si je regarde où je suis dans slash. Donc je vais me déplacer dans route et faire un ls. Je vois qu'il y a le flag.txt. Donc je vais afficher ce flag. À mon avis, c'est tout ce qu'il y avait à faire. On va répondre aux questions.
Ensuite, il nous demande seulement notre flag qui est juste ici. Alors, machine suivante, Tactics, et c'est une machine Windows. Une fois que la machine est démarrée, première chose qu'on fait, c'est la ping. Donc 10, 129, 135, 23. 10, 129, 135, 23. C'est bon. Ensuite, on va faire un nmap-sc-sv-t4-p- pour tout scanner. Ok. Donc là, il nous dit que l'hôte est down. Il y a des chances que ce soit faux, donc on va utiliser, comme il nous dit, la fonction -pn. En fait, nmap commence par ping pour vérifier que la cible est up. Dans ce cas-là, la cible ne doit pas répondre à notre ping. Donc avec le -pn, il va pas envoyer de ping. Ok, il a terminé. Et la seule chose intéressante qu'il a trouvé, c'est le port 445, le SMB. Comme on a vu dans le tiers 0, ça va être assez intéressant. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire SMB client, -l, suivi de l'adresse IP 10.129.135.23, password aucun. Et on n'obtient rien. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'ajouter un nom d'utilisateur et de mettre le nom d'utilisateur par défaut, administrator. J'utilise le -u pour le nom d'utilisateur. Et password, j'en ai mis aucun. Je vois qu'il y en a 3, admin, C et IPC. Ce qu'on peut faire, c'est nous connecter à admin. Donc on va tenter de se connecter sur admin $ sans aucun password. On obtient quelque chose, on va faire un help. On a nos commandes comme toujours. ls, il y a beaucoup de choses, on est sur le dossier admin. Donc il y a vraiment vraiment énormément de dossiers étant donné qu'on est sur le disque C d'une machine Windows. Ce qu'on peut tester, c'est que normalement on doit avoir un dossier d'user, de nom d'utilisateur. On doit avoir un dossier pour les utilisateurs. Ok, j'ai rien trouvé de très intéressant dans ce dossier admin. Par contre, si on regarde la liste de ce qu'on a, on a également C. C'est-à-dire, donc C, c'est le disque dur sur lequel est installé Windows. Donc on va essayer d'aller sur C. On peut y aller. Toujours les mêmes commandes, on peut faire ls et ici on va pouvoir atteindre le dossier de nos utilisateurs. Donc on va faire cd users. On a quoi? On va ensuite aller voir administrator. Et ici, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Sûrement dans desktop. Et le flag est ici. Donc on va faire getflag.txt pour le télécharger. Et ensuite on exit et on peut catflag.txt. On va aller répondre aux questions. Le coller ici et voilà. On a terminé les machines VIP du tier 1. Donc on a terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine.